Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Autant le dire tout de suite, parler d'indexation est devenu un véritable chemin de croix. Tout concourt depuis quelques années, et la tendance semble se maintenir, à abandonner un des principes fondateurs du système de retraite pour assurer la sécurité du revenu. Est-ce que l'indexation a perdu sa raison d'être ? Pas du tout, comme le montre le graphique. La perte de niveau de vie est d'autant plus importante que la personne retraitée avance en âge. L'indexation demeure ainsi une des meilleures façons que l'on connaisse pour améliorer le niveau du revenu, sans tomber dans l'arbitraire de l'augmentation des rentes en fonction de la situation financière, ou encore l'inéquité entre les participants en fonction des années indexées ou pas indexées. Faut-il améliorer les formules d'indexation ? Il y a sûrement des réflexions utiles à mener afin d'adapter les formules existantes aux besoins des participants. Pourquoi alors, me direz-vous, un tel acharnement dans les dernières années à l'encontre de l'indexation ? La réponse habituelle que l'on donne, cela coûte trop cher, est plus un masque pour un agenda politique qu'une véritable réponse. Dans l'esprit du système de retraite au Québec, c'est aux participants, actifs et retraités ensemble, à leurs représentants élus au comité de retraite, et non pas aux experts et au gouvernement, de déterminer les politiques institutionnelles de financement, de placement, de gestion des risques dans les régimes de retraite. L'indexation, c'est finalement un droit, même minimal, à un partage équitable de l'augmentation de la richesse dans le futur. Pour en savoir plus, consultez notre site web.